Plus de 10 000 textes de loi sont en vigueur en France, mais beaucoup d'entre eux sont dépassés ou inutilisés. Pour preuve, selon une loi de 1800 et jusqu'à son abrogation en 2013, il était interdit aux femmes de porter des pantalons. Ceci étant dit, voici maintenant les 4 lois les plus bizarres en France. On commence par le numéro 4. Vous pouvez vous marier avec quelqu'un qui n'est plus vivant. S'il est possible de prouver que le défunt voulait aussi se marier, alors il est tout à fait légal en France d'épouser une personne morte. Cette loi date de 1959, où le général de Gaulle avait autorisé le mariage entre une femme et un homme qu'elle avait perdu lors d'une embuscade en Kabylie, dans le nord algérien, qui avait causé la mort de plusieurs soldats français. Cette dérogation est ensuite devenue une loi. Numéro 3. L'interdiction de nommer son cochon Napoléon. Bien que cette loi soit rarement appliquée de nos jours, elle reste un exemple de règle curieuse dans le code pénal français. Numéro 2. Il est dit que tout citoyen peut procéder à l'arrestation d'une personne recherchée. Et enfin numéro 1. Le président de la République peut faire exception à des mariages incestueux. Au terme de l'article 163 du Code civil, le mariage est interdit entre un oncle et sa nièce ou son neveu, et entre une tante et son neveu ou sa nièce. Mais selon l'article, le président peut exceptionnellement l'autoriser.